ravie de vous retrouver pour vous présenter les 6 derniers signes du zodiaque pour la semaine du 17 au 28 septembre 2018. Et on commence comme d'habitude par la balance. Côté cœur, jusqu'à mercredi, vous pourriez balancer entre rigide et intolérant. Mais à partir de jeudi, vous serez en mode sortir et faire la fête plus que tête à tête. Bref, plus on est de fous, plus on rit. Côté pro, jusqu'à mercredi, vous aurez tendance à regarder les gens de haut. Pas cool du tout. À partir de jeudi, surprenez, manifestez votre indépendance et n'hésitez pas à exprimer des idées farfelues. Scorpion, côté cœur, grief et rancune vous tourmentent et vous devenez facilement vindicatif. En ce moment, vous avez surtout l'âme vengeresse ou la revanche perfide. Le ou la chérie risque d'en voir de toutes les couleurs, premier des camps. Côté pro, que l'on ne vous pousse surtout pas à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Sous peine de déclaration de guerre, premier décan. Le troisième décan sera au contraire l'illustration presque parfaite du scorpion raisonnable. Sagittaire, côté cœur, c'est difficile pour vous de sortir un mot gentil ces temps-ci, troisième décan. Ce que l'autre fait ou dit vous agace à plein temps. Tant que votre partenaire ne vous exaspère pas, on dira qu'il ou elle a plutôt de la chance. Côté pro, si vous étiez un peu plus méticuleux, certains détails ne vous échapperaient pas. Si vous étiez plus discipliné, l'organisation laisserait moins à désirer. Faites plus attention à ce que vous faites, troisième décan. Capricorne, côté cœur, quelqu'un vous fait-il vraiment kiffer? Vénus en scorpion vous souffle encore de jouer à fond de votre sex appeal. Il y a bien de la sensualité et un gros brin d'attractivité dans l'air, premier décan. Côté pro, le ciel réclame au troisième décan d'être exigeant. Il faut asseoir vos succès, développer tous leurs aspects et prouver que vous les avez bien mérités. Une période plus studieuse, plus sérieuse. Verseau, côté cœur, ça se corse sacrément en ce moment, premier décan, avec ce désaccord Vénus-Mars-Uranus. Vive les scènes de ménage! À y regarder de plus près, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Côté pro, voilà décidément un Verseau un peu enragé jusqu'au boutiste, jamais bien prévisible et adepte du y'en a marre, qui explosera facilement et aura globalement du mal à relativiser les événements. Poisson, côté cœur, avec l'aide de Vénus en scorpion, notre poisson aime encore à la folie ou désir sans demi-mesure. La sexualité pourrait représenter en ce moment l'essentiel ou le primordial de votre relation, premier décan. Côté pro, à force de faire les choses en mode à peu près, vous allez finir par vous faire une réputation de dilettante, troisième décan. Cette semaine vous demande au contraire de vous concentrer davantage. Allez, lunaire! Au fait, êtes-vous vierge folle ou vierge sage? Le Sagittaire est-il obligatoirement un globe-trotteur? Allez, je m'engage à vous répondre très précisément sur le caractère des signes du zodiaque qui vous intéresse. C'est sur le 3267 et cela s'appelle Astro, tout sur votre signe.